motherfucker and teach you how to wear. Nous sommes là pour vous présenter globalement des états des lieux sur les maladies non transmissibles, qui est MNT, les soins ostréticonéonataux, qui sont les SONU, et les VBG, les violences basées sur le genre. En effet, je présentais ces signes, mais je ne savais pas que c'était des signes où je dois me rendre au centre de santé. Mais après la sensibilisation, j'ai su que je dois me rendre à l'hôpital, ce que j'ai su faire. Je me suis fait dépister. C'est là que j'ai su que ma tension était remontée vraiment. Après les explications du docteur, et c'est là qu'ils m'ont prescrit des médicaments que j'ai achetés et ils m'ont orienté pour la glycémie que j'ai été à Dassa faire. L'ONG a ouvert les yeux à nos populations de se diriger chaque fois vers les centres de santé lorsqu'il y a un problème de maladie. L'ONG nous a sensibilisés sur le comportement alimentaire, je vais dire, comment manger et ce que nous devons consommer moins, tel que le sel, l'huile. Et l'ONG nous a également ouvert les yeux sur la bonne conduite en ce qui concerne au moins 30 minutes d'activité physique par jour. C'est parce que nous étions ignorants. C'est l'ignorance qui nous poussait à sous-estimer la femme de cette manière. Et parce que nous n'avons pas pris connaissance, nous pouvons avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs. Selon l'annuaire statistique 2017, pour les données sur les décès maternels et l'enquête nationale de dépistage des facteurs de risque de maladies non transmissibles, STEP 2015, le taux de prévalence de ces maladies dans le département des Collines était de 30% avec un taux de diabète qui s'élevait à 15%. Sur 100 000 naissances vivantes, 390 décèdent. Sur le plan national, les violences basées sur le genre touchent 69% des femmes et des filles. Face à ce tableau peu reluisant, les populations de cette localité du Bénin ont décidé de prendre en main leur santé et leur vie. Grâce au projet Équité, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par Enabel au Bénin, ces populations sont mobilisées autour de leur santé et leurs droits en matière de violences basées sur le genre sont renforcés. Pour une meilleure mobilisation des communautés, Équité a opté pour le choix des organisations non gouvernementales, ONG, spécialisées dans la mobilisation sociale et qui maîtrisent les thématiques abordées, à savoir les MNT, les SONU et les VBG. Les ONG MRJC, JAE et Racine ont été sélectionnées pour couvrir 150 villages identifiés dans les trois zones sanitaires du département. Elles utilisent la méthode ICAP, c'est-à-dire information, compréhension, adhésion et participation pour atteindre et sensibiliser les populations les plus vulnérables dans les hameaux et villages les plus enclavés du département des Collines. Au sein de la communauté, nous développons la méthode ICAP, qui est une méthode, une stratégie de communication qui permet de développer auprès des communautés les informations sur les différentes maladies ciblées.
les connaissances et l'adhésion et puis la participation. De façon concrète, au sein de la communauté, nous essayons de faire des visites à domicile, des causeries éducatives de groupe qui ciblent non seulement les ménages, mais aussi les organisations de la société civile, notamment les groupements de femmes qui sont dans ces différentes communautés. À la date d'aujourd'hui, près de 4000 ménages sont touchés par les sensibilisations pour les changements de comportement déjà perceptibles. Après 6 mois d'intervention, nous avons quand même réussi à avoir quelques changements au niveau de la communauté par rapport au MNT, par rapport au VBG et par rapport au SONU. Ces sensibilisations ont permis de toucher plus de 4000 personnes. Plus de 1200 ménages ont eu accès à l'information. La majorité a commencé quand même à adopter des comportements qui nous satisfont. C'est-à-dire par rapport au MNT, nous avons vu que déjà le premier pas franchi, c'est d'aller se faire dépister. Il y a un certain nombre déjà qui vont, ce qui n'est peut-être pas le cas dans les centres de santé pour connaître leur statut. Venant au niveau des SONU, nous avons remarqué à ce niveau qu'au début de nos interventions, très peu de femmes allaient au CPN, c'est-à-dire les consultations prénatales. Grâce aux sensibilisations, les populations sont en train de comprendre que ce n'est pas lorsqu'il y a problème qu'on va, mais c'est une nécessité d'aller faire les consultations prénatales. Pour les VBG, les habitudes sont très dures dans les communautés, mais progressivement, surtout que nous associons les autorités coutumières, nous sommes en train de déconstruire progressivement ces idées-là. Les ONG, malgré ces prouesses, n'entendent pas dormir sur leur laurier. Elles réfléchissent déjà à comment assurer la pérennité de ces interventions, gage d'une santé durable pour les populations bénéficiaires. Nous nous échangeons pour réfléchir ensemble des stratégies pertinentes pour assurer la pérennisation de nos actions. Nous pouvons les décliner à 3 niveaux là aussi. Le premier niveau de pérennisation, c'est que nous avons mis en place un cadre de dialogue pluriacteur. Le deuxième niveau, c'est le niveau de capacitation. Et le dernier niveau, c'est là où aussi nous essayons de voir ce qu'on appelle le système de rétro-information. Et nous pensons qu'avec ces 3 dispositifs, même si les ONG se retirent 2 ans après, les communautés vont continuer avec leurs moyens à poursuivre ces éléments de sensibilisation que nous avons entamés.